Affaire de l'incendie survenu à Buitzruitsch, l'enquête est en cours, mais aucune information n'a encore filtré. Des gendarmes de la sécurité présidentielle ainsi que des membres du personnel du palais d'Buitzruitsch pourraient être à l'origine du sinistre survenu vendredi en fin d'après-midi. Les parlementaires seront convoqués pour une session extraordinaire en vue d'adopter le statut particulier d'Antananarivo, Sainte-Marie et Nousbé. Cette session durera 5 jours et débutera le 15 octobre prochain. Deux criminels mexicains ont avoué avoir tué 17 étudiants venus manifester à Iguala, dans le sud du pays. Ces aveux surviennent après la découverte d'un charnier à proximité du site, où 43 jeunes avaient disparu la semaine dernière. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en version française sur Cool TV. Les parlementaires seront convoqués pour une session extraordinaire en vue d'adopter le statut particulier d'Antananarivo, Sainte-Marie et Nousbé. Cette session durera 5 jours et débutera le 15 octobre prochain. L'opinion publique estime que l'organisation d'une telle réunion à quelques jours de l'ouverture de la session ordinaire est une perte de temps et d'argent. La session ordinaire est en effet prévue démarrer le 21 octobre prochain. Anjararson. Les parlementaires ont contesté le découpage d'Antananarivo en 6 communes et l'élection d'un président de la communauté. C'est la raison de l'adoption partielle de la proposition de loi 2014-020 portant sur la décentralisation. L'opinion publique est également divisée. Le découpage d'Antananarivo serait source de scission des Tananariviens, voire d'une guerre civile. La teneur de la proposition de loi devra être plus explicite afin d'éviter tous ces préjugés. Le député MAPAR, Michel Ratzfalaka, de son côté, conteste l'élection du président de la communauté par les grands électeurs. Les délégués aux maires devront être élus au niveau de chaque arrondissement. Quant au président des Fouctanes, des élections doivent être organisées au niveau de chaque Fouctane. L'élection du président de la communauté n'est pas stipulée dans la Constitution. Si le gouvernement persiste et signe la nécessité de découper Antananarivo, les députés Tim s'y opposent. Ce n'est pas l'organisation de la session extraordinaire qui nous pose un problème, mais les propositions de lois qui devront être plus claires. Lors de notre dernier entretien avec le ministre de l'Intérieur, il a mentionné qu'une rencontre avec les techniciens serait au programme, étant donné que ce sont les députés qui sont les premiers interlocuteurs de l'opinion publique et non les techniciens. Si la même proposition de loi est réexaminée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur peut déjà s'attendre à la contestation des députés TIM. Aucune information n'a filtré de Tsimbazas sur la prochaine session extraordinaire. Affaire de l'incendie survenu à Buitzruitsch, l'enquête est en cours mais aucune information n'a encore filtré. Des gendarmes de la sécurité présidentielle ainsi que des membres du personnel du palais d'Buitzruitsch pourraient être à l'origine du sinistre survenu vendredi en fin d'après-midi. Cette information a filtré de la brigade de recherche criminelle de Fiadanad. Les résultats officiels de l'enquête seront dévoilés cette semaine. Reportage. L'enquête sur l'incendie au palais d'Buitzruitsch vendredi dernier est en cours. Si l'enceinte du palais est formellement interdite d'entrée, il est maintenant prouvé que cela n'a pas été respecté. Même les gendarmes ne peuvent pas y pénétrer. Pourtant, des gendarmes de la sécurité présidentielle y sont entrés pour se laver. Ces derniers, qui pourraient être suspectés, affirme le secrétaire général de la présidence, Ralala Roger. Un des membres du personnel du palais d'Buitzruitsch pourrait être également à l'origine du sinistre, ajoute-t-il. Ralala Roger affirme quand même qu'après toutes les données recueillies par rapport à cette affaire, l'événement n'était pas prémédité mais c'était juste un accident sans aucun but de nuire à la vie du président Eradon Armapian. Ce dernier était déjà en route pour Nousibé lorsque l'incendie s'est déclenché. Il a été difficile de récolter des informations auprès de la brigade de recherche criminelle de Fiadan. Les résultats de l'enquête seront connus cette semaine.
L'huile lourde destinée à alimenter les groupes électrogènes de la Ferrama est désormais disponible. La société propriétaire de ces groupes a finalement accepté d'utiliser l'huile lourde produite à Tsimirour, d'après la Larsen, a joué Eli Valérien, ministre près de la présidence chargée des ressources stratégiques. Pour la phase test, Madagascar Oil produit près de 500 barils par jour. Cette production est stockée sur le site de société. Sitia Kravounerson. Suite à la sortie de la déclaration de commercialité du produit de la société Madagascar Oil, la vente de son pétrole brut sur le marché local a débuté le 18 juin dernier. La phase test dure 6 mois. Pendant cette période, la société prévoit de produire 55 000 à 73 000 barils. Une partie de cette production sera utilisée par la Jirama. L'huile lourde qui sera destinée par la Jirama a été acheminée vers la capitale. Le problème sur la teneur en eau de ces carburants est désormais résolu. La société propriétaire des groupes électrogènes a finalement accepté officiellement d'utiliser l'huile lourde de Tsimirour. En vue d'obtenir son permis d'exploitation, la société présentera son plan de développement le 18 octobre prochain, selon le ministre auprès de la présidence chargée des ressources stratégiques. Cette phase de développement permettra de commencer toutes les études préalables, notamment sur l'ingénierie. Cette étape déterminera toutes les modalités de production. Cette phase durera 3 à 5 ans. C'est seulement après que la production proprement dite démarrera. Après la présentation du plan de développement, une rencontre entre le ministère et la société Madagascar Oil sera au programme. Son objectif, négocier les avantages de l'État malagasy une fois que le projet démarrera. Les réserves d'huile lourde de Tsimirour sont estimées à 3 milliards de barils. La rentrée scolaire a été perturbée au niveau des écoles primaires publiques. Les parents d'élèves renaclent contre les sommes d'argent que les écoles publiques leur exigent. La situation crée des tensions entre les responsables et les parents d'élèves. 6 300 000 élèves ont repris le chemin de l'école ce jour pour les EPP répartis dans tout Madagascar. En dépit des déclarations fortement médiatiques du président Razonar Mapian annonçant la gratuité du droit d'inscription au niveau des écoles publiques, les parents ne comprennent pas pourquoi on continue à les prélever ces sommes. Et ce cas n'est pas isolé. Le même problème a été enregistré auprès de plusieurs écoles publiques de la capitale, parmi elles les EPP d'Andavamamb, Soneran, Namoutan ou encore un Bouibao. Le ministère de l'Éducation, de son côté, tente de calmer le jeu en multipliant les dons destinés aux écoles primaires publiques. Les explications. L'Éducation nationale donc, a pris des mesures. Premièrement, on a augmenté les caisses écoles et aussi on a aussi mis, donc, distribué 3 000 kits scolaires et 25 000 tables bancs. En plus, on a réhabilité des écoles primaires publiques et des CEC aussi. Et on a fait aussi construire 4 écoles environ 50 ans. D'après les statistiques du service pompier Tsaralalan, 90% des ménages malgaches n'ont pas de matériel approprié en cas d'incendie. Seuls les bureaux publics et les sociétés ainsi que les grands hôtels en ont. Et pourtant, chaque ménage devrait disposer des matériels anti-incendie. Pour cette année, jusqu'au mois de septembre, le taux d'intervention en incendie des pompiers de Tsaralalan a connu une hausse de 10%. Les détails. La majorité des ménages à Antananarivo ne dispose pas de matériel pour lutter contre l'incendie. D'après nos enquêtes, chaque famille se résigne à l'utilisation de l'eau en cas d'incendie. Rares sont ceux qui connaissent ce qu'est l'extincteur. 50% des incendies survenus dans la ville d'Antananarivo et périphérie sont dus à l'utilisation des matériels non conformes aux normes, affirme le lieutenant-colonel Rabé Manantsou, chef de corps des pompiers à Tsaralalan. Le nombre d'interventions des pompiers du mois de janvier jusqu'au mois de septembre est de 860, si cela était de 600 en 2013. En 9 mois, les pompiers ont maîtrisé jusqu'à 130 incendies. Afin d'éviter le pire, il faut disposer d'un extincteur, ajoute le lieutenant-colonel Rabé Manantsou, chef de corps des pompiers à Tsaralalan.
À titre de rappel, la maison d'un officier de gendarmerie a brûlé hier à Impanden. À part l'incendie survenu sur le site du pôle d'Ambutsruitch vendredi dernier, appelez le 118 en cas d'incendie, d'accident routier ou de noyade. Après le délestage, l'eau devient un problème. Plusieurs quartiers d'Antananarive et ses proches banlieues sont privés d'eau depuis une semaine. Les files s'allongent devant les pompes publiques. Le délestage économique de la Djirama au mois de septembre et la sécheresse actuelle ont des impacts sur l'approvisionnement en eau de la Djirama. Les détails. Tous les jours vers 2h du matin, les files s'allongent devant les pompes publiques si les bidons sont en place sur les lieux la veille. Chaque ménage a droit à 4 bidons ou 80 litres par jour, loin des normes internationales, c'est-à-dire 45 litres par jour par personne. La majorité de la population subvient à leurs besoins auprès des pompes publiques. Depuis quelques mois, ces dernières commencent à accuser des défaillances et ne livrent plus une seule goutte d'eau. Des problèmes se présentent auprès de ces pompes publiques. L'eau commence à manquer dans la ville. La Djirama affirme que le problème de manque d'eau est résultat de la température. La demande en eau pour chaque ménage s'accroît. L'approvisionnement de la Djirama n'arrive plus à subvenir aux besoins de tous les ménages. Si auparavant, la consommation d'Antananarive par jour est de 160 000 m3, actuellement, elle est de 170 000 m3. Les périphéries d'Antananarive comme Mbuimangakele, Pungtsar, Yavlou sont les plus victimes chaque année de ce manque d'eau. Pour résoudre ce problème, la Djirama est actuellement en cours de construire un château d'eau à Sabusnamean. En attendant, les habitants de la ville tirent la langue. Les parents de la ville d'Antananarive continuent de bénéficier du projet social de l'association des femmes du parti VMMM. L'association s'est rendue au marché de Namouten après celui de Mamas jeudi dernier. Le marché de Namouten commence à 2h du matin et près de 900 paysans par jour y étalent leurs produits. Ils ont attendu impatiemment l'arrivée de l'association Veivav Malagas Miaramieng et ont pu bénéficier des fournitures scolaires, d'engrais et diverses semences. Ce projet social du VMMM se poursuivra dans nombreuses zones. Et on passe aux actualités internationales. L'enquête sur l'un des pires massacres récents commis au Mexique s'oriente vers une collusion entre les autorités locales et un gang criminel. Deux membres présumés du groupe Guerreros Unidos sont passés aux aveux. Les deux tueurs ont déclaré que l'ordre initial de venir sur les lieux où se trouvaient les étudiants avait été donné par le directeur de la sécurité publique d'Iguala. Ce dernier ainsi que le maire de la ville ont pris la fuite après la fusillade et sont actuellement recherchés. C'est un reportage de France 24. Les deux hommes qui sont passés aux aveux appartiennent au gang Guerreros Unidos. Ils disent avoir tué 17 des 43 étudiants disparus. Et coup de théâtre, ils affirment qu'un chef de la police locale est impliqué. Les détenus ont dit clairement que l'ordre d'aller sur le site où se trouvaient les étudiants a été donné par le directeur de la sécurité publique municipale, Francisco Salgado Valadares, et que l'ordre de les emmener et de les éliminer a été reçu d'un homme surnommé Chucky, leader des Guerreros Unidos. Une trentaine de corps ont été retrouvés près d'Iguala, là où les étudiants ont disparu. Le 26 septembre, ils sont venus manifester dans cette ville contre la réforme de l'enseignement. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux, la police locale et des hommes non identifiés tirent sur eux. Plusieurs étudiants sont tués et selon des témoins, des dizaines d'autres sont emmenés vers une destination inconnue. Depuis, une trentaine de personnes ont été arrêtées. Le directeur de la sécurité publique et le maire d'Iguala ont pris la fuite. Du côté des proches des étudiants, on reste mobilisés et incrédules. Nous sommes ici. Nous sommes là parce qu'ils manquent toujours à l'appel. Et le soi-disant gouverneur de l'État du Guerrero ne nous donne que des explications fausses. Nous le savons, nos enfants sont en vie. Des tests génétiques sont en cours pour identifier les corps retrouvés près d'Iguala. Il pourrait s'agir de l'un des pires crimes au Mexique depuis le début de la guerre contre les narcotrafiquants en 2006. Hong Kong, la frénétique a renoué avec les embouteillages et les métros bondés. Après une semaine quasiment chômée en raison de manifestations massives et de jours fériés, la métropole financière a repris le travail ce lundi. L'essoufflement de la contestation était évident dans le quartier d'Admiralty,
où seuls 200 manifestants demeuraient encore devant le siège du gouvernement. C'est toujours un reportage de France 24. Après une semaine quasiment chômée, ces employés reprennent de nouveau le chemin de leur travail. Et les écoles ont rouvert leurs portes. Le mouvement pro-démocratique Occupy Central semble donc perdre du terrain. Je respecte leur droit d'expression, mais ils doivent aussi respecter notre droit à retourner travailler. L'artère principale de la ville s'est pour l'heure presque entièrement vidée de ses occupants, mais beaucoup ont déjà promis de revenir plus tard. La police n'est toujours pas intervenue, mais la lutte, qui dure depuis le 28 septembre, laisse des traces. Je suis content qu'il ne se soit rien passé, mais en même temps, je crois que j'espérais qu'il se passe quelque chose pour qu'on en finisse rapidement avec ça. Nous sommes tous épuisés et nous ne tiendrons plus très longtemps. J'espère que le gouvernement se montrera plus sincère, parce qu'il a le pouvoir et doit faire preuve de bonne volonté. Nous sommes de la base et n'avons aucun pouvoir. Donc, nous n'avons aucune raison d'abandonner. Ce repli ne signifie pas pour autant la fin du mouvement. Beaucoup souhaitaient ainsi éviter de nombreux heurts après les affrontements qui ont eu lieu dans le quartier commerçant de Mongkok. Les manifestants pourraient à nouveau se regrouper dans la journée dans un autre quartier de la ville. Votre série Mistresses, juste après ce journal, suivi toujours de deux films. Le premier intitulé Coach Carter et le deuxième, un peu plus tard dans la soirée, un film frisson, Ghoul. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi le journal de Cool TV. On se retrouve demain à la même heure, à 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.